Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmis là. Pour tout le monde qui nous t'aime, pas bon ici de la première fois, pas oublier. Avant d'aller faire ça, on va cliquer sur abonner et on va cliquer sur cloche là. Veuillez bien, on cliquer sur cloche là, qu'elle c'est tout pour capable de connecter avec nous. Nous venons porter pour vous un update sur le dossier Ukraine. Non, ça qui passé, c'est que un juge, nous voulons parler de. En fait, hier mercredi, un juge passé département d'État, pas bon ici, l'ordre. Il a gagné 30 jours francs. Attendez bien, 30 jours, le département d'État a 30 jours francs pour mettre d'ailleurs tout record, tout donné qui a un rapport avec l'Ukraine. Incluant communication qui a gagné entre secrétaire d'État Mark Pompeo, président Donald Trump et avocat personnel qui c'est Rudy Giuliani. Maintenant, on dit bien, décision ça, c'est une réponse de ça, nous relayons une emergency motion que. Groupe, en fait, ça ou le Watchdog, groupe American Oversight, qui c'est organisation qui capte pour que tout bagaille clé, pour que des informations pertinentes paraissent cachées. Juge là, qui c'est Christopher Cooper, lui passe l'ordre avec groupe là et département d'État pour venir, pour mettre tête ensemble, pour capable réduire, pour capable réduire ça, nous avons les demandes là, ok? Pour être capable effectivement dire qui document a besoin dans 30 jours. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que le département d'État qui t'a fait tête dit, il n'y a pas de mettre dehors justement et documents qui lient à bagaille Ukraine, il dit faut que vous mettez dehors. Et groupe ça qui est le Watchdog, groupe American Oversight, c'est des groupes, je ne vais pas ici, depuis qu'on donne qu'à parler dans ça, il y a les libertés pour que le public soit au courant, il y a toujours allé au niveau de la justice pour que bagay yo pas caché pour que public là capable gagne yo au courant, OK? Et maintenant juge là justement li préciser que effectivement yo besoin des informations pertinentes qui surtout lié avec Rudy Giuliani qui c'est un sujet qui en pile mon a suivre dans dossier ça parce que li t'es plus chauffé devant là faut comprendre mieux parce que Rudy Giuliani normalement pas de travail pour le gouvernement. OK? C'est avocat personnel Trump. Donc, il y a besoin surtout et des informations pertinentes, surtout des démarches qu'on a fait parce que c'est lui qui a choisi de parler en Ukraine, de parler avec nos téléphones. Il y a besoin de communication. Il faut nous dire bien que démarche ça, démarche pour joindre l'information, ça, il y a été fait. Et nous commençons au mois d'octobre là. Parce que c'était gain les American Oversight, il était fait un lawsuit côté que il était demandé une injonction préliminaire. Il était demandé une injonction préliminaire pour que le département d'État rapidement commence justement mettre dehors correspondance que des seniors au niveau du département d'État ont gagné avec Rudy Giuliani et l'autre communication qui a rapport avec effort que vous avez fait pour pressurer le gouvernement ukrainien pour être capable d'ouvrir une investigation politique. Et lorsque ça, avec la recherche et tout, pour mettre dehors tout donné, tout record qui a rapport avec et appel ça qui a été en ambassadeur ukrainien et en fait, on dit rappel que vous avez fait, que vous avez rappeler ambassadeur de l'Ukraine en parlant de Marie Yovanovitch, il était retiré de la poste là. OK? Donc, ça t'a voulu dire que ça département d'État ont petit gens dans ces petits souliers parce que nèg yo jusqu'à présent gain des trois communications y a cherché et bloqué et juge passé au lot là, yo gain 30 jours pour yo mettre tout bagage ça yo au vu et au su de public là pour tout le monde capable au courant de yo. Donc, nous pensons que c'est une belle leçon démocratique qu'a fait là. Une leçon tout pour plusieurs nègres dans l'administration Donald Trump. Et parce que, en pile là-dedans, ils pensaient qu'ils sont capables justement d'obéir aux désiderata du président sans payer les conséquences. Et heureusement, le système judiciaire là, pour rappeler yo, que nous ne vivons pas dans une monarchie. Et que chaque fois qu'ils décident de faire un acte qui est en dehors de la loi, en dehors de la procédure, ils gagnent, eh bien, l'autre pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui a rappelé à l'ordre. Et d'ailleurs, nous connaissons que, eh bien, ils gagnent
procédure de destitution de la trompe qui est très avancée. Donc, département d'État, qui est géré par Marc Pompeo, il a gagné pour remettre des trois documents. Et nous pensons que ça qu'a fait là, c'est des bonnes causes. Et pour le grand pile, qu'a pris les sons pour prochainement des actions que vous pourrez le causer, pour le poser, parce qu'il y a un bon nègre qui a pris un code dans le dossier ça là. Donc voilà, Jujo qui commençait à prononcer au sous-dossier ça, et il a passé des lois pour que, effectivement, nègre obéit. Nous ne savons pas si vous pourrez le faire à pile, ça va le dépendre, bien entendu. Et, mais c'est un dossier que nous avons suivi pour vous. Vous êtes branché, connecté avec nous, parce que toute dernière information qui connecté, qui lié avec dossier destitution de Donald Trump, n'a pas été au courant. Portez-nous bien.